Eh bien bonjour à tous, c'est Atalum et on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne Atalum, comme mon pseudo. Et donc, très original. Et donc on se retrouve sur Overwatch, qui sera le jeu principal de ma chaîne. On va jouer aussi également à d'autres jeux beaucoup moins qu'Overwatch, certainement du League of Legends avec d'autres potes, peut-être d'autres jeux un peu rigolos, un peu sympathiques, mais ça sera surtout du Overwatch dans toutes ses formes, soit de la partie classique, de la classée, même de l'arcade, parce qu'aujourd'hui on va faire un petit 1v1, on va faire le petit 1v1 de la famille, on va essayer de déglinguer le mec en face, et on verra si on ouvre un petit coffre à la fin, si on lui met bien cher, uniquement si on lui met bien cher, on lui ouvre un petit coffre. Donc c'est parti, donc on va lancer ce petit 1v1, j'aime vraiment beaucoup ce mode de jeu, l'1v1 je trouve vraiment, il est vraiment, vraiment cool. C'est une très bonne chose de Blizzard d'avoir fait ce petit mode, parce que s'il n'y avait que les parties classiques comme il y avait au début, et les classer, ben c'était un peu ennuyant. Forcément, de temps en temps, on avait envie de faire autre chose. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas ces petits mots à la carte, ben on changeait de jeu. Et là, du coup, on peut ne pas changer de jeu. Au bout d'un moment, ils avaient créé des... Toutes les 2 semaines, je crois que c'était, ils mettaient un mode aléatoire. Et là, ils ont carrément mis le mode jeu aléatoire. Parce qu'on peut tomber sur différents modes, genre tous le même perso. Enfin, des trucs un peu étranges, quoi. Et du coup, ces mois d'A4 sont vraiment sympas. Ce serait cool qu'on trouve une petite partie par contre. Allez, ça fait déjà 45 secondes qu'on cherche là. Ok, on vient de trouver une partie, les potes. Après plus de 2 minutes 50 de recherche, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et on commence avec une Pharah. J'aime pas ce perso, ni en tant que joueur, ni en tant que mec qui joue en face. Et j'aime pas du tout ce perso. Je suis extrêmement nul avec. Ok, le mec a quitté la partie. Je vous propose une chose, c'est qu'on relance immédiatement parce que là c'était pas dingue quoi, genre l'amusement était ouf. Action de la partie, attention. On le verra même pas tellement il était bourré. Ah ouais, Blizzard a décidé qu'il était vraiment trop nul. Vas-y, ouais, d'accord. Ouais, grosse game les gars, grosse partie. Du coup on relance de suite. Ok, on vient de trouver une nouvelle partie, j'espère que cette fois ça va pas quitter au pro berceau. Donc on joue contre qui là? Déjà on joue Tracer et contre un niveau 103, je suis niveau 117. Donc je suis un petit peu au-dessus, mais rien, ça ne veut absolument rien dire. Je cherche mes mots. Tracer, l'amusement. On va eux, même pour 7 PV, le temps qu'elle revienne ici. Ok, je sais pas ce qu'elle est, hein, mais je me fais déjà déglinguer, je crois. Elle est là. Ok. Ok, parfait. Parfait. Je joue pas très bien Tracer. Je pense qu'elle a un peu fait de la merde. Hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le petit 1-0, on prend clairement. Ok, Faucheur. J'adore son skin. C'est le skin d'Halloween, il me semble. J'adore son skin. Je le trouve vraiment trop, trop beau, quoi. Bon, il est magnifique. Alors, où est-ce qu'il est, lui? Il est tout là-bas. Ok, on l'a vu, lui il nous a pas vu par contre. Il y a moyen ça. Il nous a pas vu. Je suis surpris. On va attendre ici. Ça fait un peu. Je vais me faire gueuler dessus. Oh, campeur. Et là-bas. Ok, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Et B. Ok, ça arrive ou quoi? Ok, parfait. Le mec. Ah, j'ai pas compris. Il s'est mis en mode fumée là, mais il a pas bougé. Je sais pas si c'était bon perturbé ou s'il laguait, mais ça fait 2-0. Et du coup, on prend. Oh, son skin est super joli. Skin de Noël, super joli. Bon, Chopper, voyons voir. Voyons ce qu'on peut faire. Ok, on recharge. Parfait. Parfait, parfait. 3-0. Bah écoutez, si on continue comme ça, on va ouvrir un petit coffre à la fin. Hein. On va ouvrir le petit coffre de la fin. Fatal. Alors, j'ai toujours rêvé un truc, les gars. Je crois que c'est... Il bug un peu. Ah, je crois que... Ah d'accord, il a quitté la partie. Et j'ai gagné encore en plus.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on va pas faire 50 AVSL en plus, genre. On voit le petit section de la partie avec Chopper, mais on va pas faire 50 AVSL non plus. Donc on va ouvrir le petit coffre parce qu'au final ça fait du 3-0. Et on prend. Et donc là on va lui mettre le petit coup final, voilà, parfait. Donc on va lui ouvrir un petit coffre en guise de victoire. Mais vraiment, je sais pas ce que. Le premier, je sais pas ce qu'il a eu, genre. C'est vraiment, on a dû appeler pour aller à table. Et le deuxième, il a rage quit, clairement. Hein. Il a clairement rage quit. Donc on a fait du 3-0 parce que Fatal n'a même pas eu le temps d'avancer quoi genre. Donc on quitte et on va trouver un petit coffre pour la fin. Donc j'en ai 22, donc ça veut dire bientôt à 30, on va faire une petite vidéo, pack opening, 30 quoi. Ça peut être sympa, je vais en faire un maximum, mais genre avec l'arcade on peut gagner pas mal de coffres. Du coup, allez on l'ouvre, qu'est-ce qu'on va avoir? Un bon truc s'il vous plaît. Epic. Epic avec. Ah c'est une emote ou quoi? Non, c'est un aperçu. Ouais. Non, c'est une entrée en scène bon. Je sais même pas, je crois pas que j'en ai. Je vais aller voir ça. Et une petite célébration avec. Okay, on va rapidement aller voir avec Macri ce qu'on a. Où est-ce qu'il aime? Ok. Non, c'est pas ça. C'était une célébration. Bah, j'en ai pas. J'avais la classique. Du coup, on part sur ça. Ça fait plaisir. Et c'était quoi avec Winston, notre? Winston, ouais, c'est ça. Winston, on a gagné quoi? Une célébration. J'avais Bestial et le penseur. Ah, clairement, Bestial, beaucoup plus beau. Surtout. Avec ce skin quoi, genre le skin Yeti vraiment splendide. Bon du coup, merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, certainement sur Overwatch, et donc tout ce que j'avais à dire, la bise.